Ah bah oui, évidemment. Bon, alors attendez, attendez. Déjà, est-ce que vous m'entendez? J'imagine que oui, mais évidemment, mon... ma caméra a frisé, donc c'est super. J'arrive, j'arrive, j'arrive. D'habitude, ça se passe mieux. Voilà, me voilà, me voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que ça va. Désolé pour ce début un peu chaotique. Salut Calpom. Et les timides, et les timides. Alors, j'espère que ça va pas trop friser ce soir. Sinon, tant pis, on se passera de la cam. Normalement, j'ai fait les petites manips pour que ça frise pas, mais comment dire? Je garantis rien, donc voilà, toutes mes excuses d'avance si ça freeze. Attendez, j'essaie un truc quand même. J'essaie un truc quand même. J'essaie un truc quand même. Ah, attendez. Attendez. Évidemment, là, ça a frisé parce que j'ai ouvert un autre truc. Et le gâteau virtuel caméra. Attendez, j'arrive, je... Attendez, on va essayer un truc. On va essayer un truc. J'arrive, hein. Ne croyez pas. Et le gâteau virtuel caméra. Hop, ça a l'air de marcher. Essayons ça, voir. Bon, j'ai mis ça. On verra bien, si ça frise, tant pis. Bonsoir, donc, bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va. Bonsoir, Calpum, bonsoir, Blablamood. Bonsoir, Flyspeakle, j'espère que je prononce bien. Et bonsoir à les autres qui lurquent, qui sont là discrètement, et qui vont arriver, j'espère, tout au long de la soirée. Petit stream, un petit peu particulier, oui et non. C'est un petit stream découverte. Voilà, j'aurais dû l'appeler mercredi couverte pour faire chier Médoc. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, figurez-vous, est sorti un jeu qui s'appelle Larcin Laser. Alors, pas Garcin Lazare, hein, Larcin Laser. Qui est, je trouve, un excellent titre, et je trouve même l'un des meilleurs titres de jeux vidéo jamais sortis. Voilà, qui est un jeu sorti par l'ami Doc Géronto. Non, Doc Géro, pas Doc Géronto. Qu'est-ce que je raconte? Ah, pardon. Doc Géronto. N'importe quoi. Doc Géro, voilà, qui avait sorti Buisson. Buisson, je sais pas si vous connaissez Buisson, c'est un jeu multijoueur, je crois. Où vous incarnez des buissons, justement. Où il faut deviner, je crois que c'est une espèce de genre de... Vous savez, les jeux où on est à plusieurs et l'un des joueurs ou des joueuses incarne un des éléments sur l'écran et l'autre joueur doit deviner qui est le joueur en question. Et tandis qu'arrive Polly, bonsoir. Il dit bonsoir. Il dit bonsoir aux gens. Regardez comme elle est mignonne. Et donc, l'ami Doc Géro, et pas Doc Géronto, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu vas aller sur les genoux? Ouais. Attends, je baisse un peu le siège pour que t'aies de la place. Oh, pardon, pardon, pardon. Oui, chachon. Bah oui, mais là, t'as le cul un peu relevé, chachon. Attendez, parce qu'il y a Polly qui veut se mettre en dessous, mais elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu montes ou tu montes pas? Hein? Désolé. Salut Lapinou. Bonsoir, bonsoir. Oui, mon chaton. Ça va, mon chaton. Bonsoir Lapinou. Bon, t'auras pas à sortir la soluce hein, cette fois, Lapinou. Donc voilà, si mon micro veut bien rester là. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Merci. Et donc, l'ami Doc Géro
a sorti. Salut Tonnel. Buisson est un excellent jeu, j'espère que celui-là aussi. Eh ben écoute, on va le découvrir parce que littéralement, il est sorti aujourd'hui. J'ai eu une clé grâce à l'ami Doc Gero pour vous être tout à fait franc avec vous. Et vraiment sur un peu un concours de circonstances, hein, parce que j'ai fait une blague, ça lui a plu et il m'en a filé une. Mais c'était vraiment pas le but de la manœuvre. Donc vraiment merci à lui. Salut Compoto, salut. Et Compoto qui était donc voilà Eve que vous connaissez de ça va bien et toi. J'espère que tu vas bien. Eve que vous connaissez de Téléboomer si vous êtes un ou une fidèle de ses streams et qui a justement récemment participé à la Game Jam d'Arte où Doc Gero était un des lead squad. Bobo volé ce soir. Eh ben écoute, repose-toi bien et j'espère que rien de bien grave. Donc voilà, Doc Gero était lead d'une des équipes. Et chaque fois, je mets toujours 10 heures à expliquer ce que je veux. Parce que je ne sais pas parler. Et donc Doc Gero a sorti Larsen Laser. Écoute, voilà, un des menteurs, merci, je cherchais le mot. Je trouvais absolument plus le mot. Larsen Laser qui est un espèce de jeu casse-tête infiltration. Donc j'ai mis un peu des images sur Twitter cet après-midi. Et donc un jeu. Alors attendez, je vais peut-être dans le coin. Un jeu dont l'esthétique, je sais pas si vous y avez joué, me rappelle très fortement ceci. Pour celles et ceux qui ont connu. Voilà, Exit, un jeu de puzzle, un puzzle game japonais, sorti par Ubisoft chez nous, voilà, parce qu'à un moment donné, Ubisoft s'est donné pour espèce de mission de sortir des jeux japonais un peu obscurs, et je trouve ça trop cool, et les premières images que j'avais vues de Larsen Laser me font énormément penser à ça. Voilà, et alors un peu plus simple parce que je crois que Doc Gero est. Je me permets la rectification. Gros guillemets sur le mot lead, le jeu avant tout, le jeu des jammers. Les mentors étaient là pour aiguiller si besoin, mais plutôt avec du recul en tant que lead. Oui, non, mais c'est juste que j'avais plus le mot. T'inquiète, je me permets la rectification parce qu'il y avait des vrais biais, c'est le jeu de Gero. Par exact. Alors que. Non, là je parle vraiment du jeu auquel on va jouer ce soir qui est pas le jeu qu'ils ont fait à la Game Jam. Hein. C'est un jeu qu'il a fait lui dans son coin tout seul. Voilà. Salut Tom de Switzer. Non, là je parle vraiment d'un jeu qu'il a fait lui développer tout seul ou avec d'autres personnes, je sais pas trop. Mais je parle, c'est pas du tout. Je parle pas du tout du jeu qui sont faits en Game Jam, qui est là pour le coup effectivement pas le jeu de Doc Gero, comme tu dis, qui était le plus le jeu de l'équipe qui l'aiguillait. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Je rectifiais juste qu'il était lead à la Game Jam. Je reprécisais, j'ai pas encore vu le Larsen, mais il est trop chouette. Ouais, d'accord, ok. Non, oui, c'est juste parce que j'avais dit lead parce que j'avais pas d'autres mots qui me venaient en tête. Mais voilà, donc vous allez voir, c'est un jeu voilà, qui se joue dans des cases, donc je l'ai pas encore lancé, j'ai juste lancé pour voir s'il marchait. Mais j'y ai pas encore joué, donc ça va être une vraie découverte en même temps que vous. Et j'espère que ça vous plaira, en tout cas moi je l'ai lancé un peu, et en tout cas il tourne super, et je le trouve esthétiquement assez chouette. Je te montrerai si tu veux, Exit, la prochaine fois que tu viens, Eve. Regardez-moi ce bel UMD. Regardez-moi cette archive d'époque. Ce format auquel Sony croyait dur comme fer. Voilà. Ça aurait pu être le futur. Ça aurait pu être le futur du jeu vidéo, mais non. Vous avez décidé d'en rester aux cartouches et aux CD et aux DVD. Et je dois encore avoir ma PSP. Hein. Salut Finady. Et je sais pas si Doc Gero est dans le coin. Mais si jamais il vient à un moment donné ce soir, je lui dis. Si jamais tu m'écoutes. Magnifique. Magnifique imitation de Michel Drucker.
Et bah, si jamais tu veux intervenir pour via audio, via Discord, pour parler de ton jeu, et bah, ce sera avec avec grand plaisir. Oui, tout à fait, joli jeu de PSP qui est Exit. Voilà, j'ai pas joué aux deux et je n'ai même pas fini celui-là parce que j'étais littéralement bloqué sur un niveau. Mais c'est vraiment un super jeu. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais bien beaucoup aimé. En parlant d'archives d'époque, il a quel âge ton t-shirt Fido Dido? J'adore. Il est d'époque, hein. Il est vraiment. C'est pas un truc fait récemment. C'est pas. Tu viens, toi? Pêchon. Ouais, bout. C'est pas un truc fait. C'était même à ma sœur, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et donc, je l'ai récupéré et je le chéris avec amour. Voilà, je dois même avoir un pins 7-Up dans le coin qui traîne, mais j'ai pas eu le temps de le mettre. Voilà, bah moi je vous propose on se lance. Voilà, si jamais comme d'hab, si vous voulez discuter de choses et d'autres, et ben on le fera avec plaisir pendant le jeu. Alors attendez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, est-ce que vous entendez ce bruit? Voilà, parfait. On va lancer le jeu. Ah oui, alors non. Ah, attendez, ça va arriver. Ah. Est-ce que je bouge toujours? Tout à fait, magnifique. Est-ce que vous voyez le jeu? Est-ce que vous l'entendez bien? Alors, je vais avoir la fenêtre du jeu par-dessus mon retour écran. Donc si jamais je freeze, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, au moins, je saurai et je verrai ce que je fais. Je vous propose qu'on y aille. Je sais pas du tout comment ça... Alors, je sais que les contrôles, voilà, c'est juste ça, c'est juste bouger, il n'y a pas d'action. Écoutez, ça devrait... Ah si, attends. Non, validation. Relancer menu. Ok. Hop. Eh ben écoutez, c'est parti. J'adore cette ambiance. Hop. J'aime beaucoup commencer à animer, j'aime beaucoup la... Ah, regardez-moi ça, c'est trop chouette, j'adore. Je sais pas s'il était tout seul à la faire ou s'il a été aidé. Alors je sais, j'imagine qu'il faut... Alors voilà, ça, c'était la première cinématique. J'imagine qu'il faudra voler des choses et d'autres. Hop là, c'est parti. Alors, que faut-il faire? Alors, il n'y a pas de... Ok, donc... Ok, faut se remémorer, faut se rappeler d'où se trouve... Alors, je sais pas si il y a une espèce de... Je sais pas s'il y a une espèce de... Si le nombre de cases... Si le jeu est trop... Ah mince, j'ai oublié, d'accord. Ouais, le visuel, il est vraiment top. Je sais pas si le fait... Si le tracé qu'on laisse a une incidence ou pas. Alors, pour l'instant, le jeu n'est pas trop difficile. Je me suis juste un peu planté. Mais en tout cas, enfin voilà, c'est super propre. J'aime pas le mot super propre parce que ça fait vraiment genre... c'est pas plus, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment très clean, ça bouge bien. Le principe, pour l'instant, le principe est marrant, ça a l'air assez simple. Salut Arcane BZH. Alors attends, où sont les lasers? Ah merde, voilà. Il n'y a jamais de laser là où il y a du mobilier, servez-vous-en. D'accord.
crois qu'il dab à un moment donné. Ah oh, putain, t'es con quoi, Guillaume. Tout à fait, c'est Larsan Lazaïr. Ah, ah oui, bah oui, je suis bête. Pas si évident que ça, hein. Mais oh, pff, alors là, là, vraiment, c'est moi qui suis complètement débile. C'est fait par l'ami Doc Gero. Pas Doc Gero. Putain, j'ai absolument pas regardé où étaient les lasers. Car je suis un énorme débile. Qu'est-ce qu'il y a, Moucha? Tu veux voir les jeux vidéo? Ah oui, évidemment. Alors, retenons mieux cette fois. Qu'est-ce qu'il y a, Chachon? Alors, pour l'instant, c'est assez simple, mais je crois qu'après, il y a des nouvelles petites un peu... hein. Genre des gardes et tout. C'est désactiver la terre avec ton salami. Non, ça c'est fini, là, les salami. Là, les chevaliers de Baphomet, c'est derrière nous, tout ça. Alors. Ah, il y a un niveau secret. Alors. Ah, ah non. Ah, je suis con. C'est à mon chasson. Y'a Polly là, elle est sur mes genoux, elle est trop douce. Ah! Je croyais qu'il y avait deux rangées de laser. Ah, mais. Alors, ça, c'est basé sur. Du coup, c'est basé sur la mémoire. Et ça, je suis vraiment baisé. Parce que j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Oh putain. Non, Epic Game Store, je ne veux pas le jeu Harry Potter. Merci bien. Alors. Pas si évident, hein. Je faisais un peu le malin au début, mais c'est... Quand on en a plein comme ça, c'est pas si simple. Ah bah oui, évidemment, mais si... Oui, non, sinon c'est impossible. Non, je dirais non. Ah ouais, non, il est obligé, t'imagines, sinon c'est du très mauvais game design, ça. Mais après, là, c'est que le début, hein, donc j'imagine que plus tard, ça va être chaud, quoi. Ah non! Ah non! Ah non, j'ai oublié! J'ai oublié le... Ah non! Ah non, j'ai oublié le... Merde, alors attends. J'ai oublié le diamant. C'est bien parce que ça peut se jouer qu'à une seule main. Sans mauvaise blague. Parce que là, je suis en train de caresser mon chat. Et je peux jouer juste avec les... Avec les touches du clavier.
Avec les flèches. C'est très bien. Je crois que c'est là. Hop, allez. Alors par contre, je vais refaire parce que je veux... j'ai oublié de prendre le premier diamant. Je suis désolé, je vais le refaire. J'aime beaucoup les petites animations, c'est très simple. Mais c'est vraiment... c'est vraiment chouette au sein. Ouais. Désolé, je l'ai refait. Alors, on avait dit quoi? Non, c'est par là. Voilà. Ah, là, il commence à y avoir des gardes. Donc là, déjà, ça rajoute une difficulté. Alors, du coup... Ah oui, donc y a des cases où je peux pas... Où je peux pas rester. Compliqué. Bah attends, comment je passe? Parce qu'il bloque le chemin, là. Ah, il bouge! Oh putain, les bâtards. Ah, il est cassé où? J'adore les petits bruitages. Les petits bruitages des gardes. Hop là! Oh, oh bâtard! Allez, dépêche-toi! C'est bon, vous voyez toujours le jeu là? Parce que moi j'ai pas de retour hein, donc alors ça, le fait que les gardes ne bougent pas tant que j'ai pas bougé, c'est un peu chiant ça. Ah. Là, j'imagine que ça... Ah non, c'est... Attends. Allez! Let's go! La musique qui me donne envie de lire un journal avec des trous pour les yeux et porter un trench coat. Dans ce genre-là, je vous rappelle que vous pouvez faire rejouer à Jazz Punk qu'on avait fait l'année dernière pendant le Stud Live. Qui est un très bon jeu débile dans le genre. Un peu. Dans le genre absurde, mais dans le genre. Espion des années 60-70. C'est super marrant. Attends, mais pourquoi? Ah, faut que je revienne. Attends, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, donc faut que je fasse ça avant, d'accord. Les gardes qui peuvent marcher dans les lasers, c'est traître, et j'adore l'idée que ton perso change de pose. Oui, c'est... Ouais, bah, ça, en fait, c'est l'économie de... C'est l'économie de, comment dire, de... pour les animations, c'est très malin. Ah merde, attends. Attends, c'est où les lasers déjà? Ah! Je suis sûr qu'ils sont juste à côté. J'adore parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils se foutent de la gueule du garde. Allez! Vous avez intérêt à avoir une bonne mémoire si vous voulez y jouer. Hop. Ah ta merde.
sais pas qui a fait la musique, mais elle est très chouette. Je sais pas si c'est Doug Leroy lui-même. Ou si c'est fait aidé par un ou une comparse. Mais vraiment, on se régale. Les amateurs de musique se régalent. Oh putain, ok. Alors, oh putain, il y a des gardes. Allons-y, on improvise. Ah, sa mère. Il bosse avec un musicien, d'accord. Avec des petits bongos. Merde, attends. Du coup, j'ai pas retenu où sont les lasers dans celui-là. Ok, bon. Énorme coup de bol. Vraiment énorme coup de bol. Ça, vraiment, tout bouge bien. C'est vraiment assez... Ça, c'est vraiment assez cool, quoi. Oh, putain, bâtard. Qui est dans l'entre de l'homme mystère. Ah ta mère. Pardon. Côté. Ah non, mais je suis bête. Oui, je suis complètement bête en fait. Attends, c'était là ou c'était en dessous? C'était la merde. Hop là. Allez. Bon, vous en pensez quoi jusque là? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous direz? Est-ce que vous dites j'y jouerai? Est-ce que vous trouvez ça cool? Moi j'avoue que je m'amuse bien. J'avais un doute, un peu des doutes sur la streamabilité de la chose. Mais au final. Ça, c'est assez marrant. Ah! Ah! Ah merde! C'était qu'une fois! Ça a l'air hyper fun, mais c'est presque un exercice de rééducation pour un mémoire. J'avoue que c'est pas bête comme remarque. J'aime bien voir t'y jouer, par contre, y jouer moi, je pense que j'aurais pas la patience. Ça va, c'est assez... J'ai vu pire, hein, vraiment, en termes de difficulté de puzzle game. Je pense que c'est assez accessible, c'est ça qui est cool. Alors... Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un... T'es dans les films d'espionnage où le... Les mecs qui préparent le plan à l'avance et ils disent retenir le plan avant de passer à exécution. Et là, j'ai l'impression d'être un peu dans le j'ai l'impression d'avoir la même sensation. Ça, c'est cool. J'achète Day One quand il sera sorti sur autre chose que PC Bible Thump. PC Bible Thump, c'est quoi ça? Mais il est sorti aujourd'hui, hein. Donc voilà. Si j'en mets. Ah oui, j'ai juste appuyé sur le mauvais bouton. Ah, oh, putain, j'ai mal évalué là.
Ah ! Quel débile. C'est... Ah, d'accord, pardon. Bon, ce serait pas impossible qu'il sorte sur Switch, hein. Buisson est sorti sur... Buisson est sorti sur Switch, donc... Ah, mais... Je suis vraiment débile. C'est typiquement le... Voilà. Typiquement le genre de jeu pour la Switch, hein. Enfin, c'est une certitude. Par contre, bizarre d'avoir mis des niveaux bonus aux endroits où, où tu sais que t'as pas encore le nombre suffisant de diamants. Même sur smartphone, en vrai, c'est un format parfait. Ouais, ouais. Salut, Molo. Ça a l'air si nappal. Hop là. Ah bâtard, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces... Ah c'est... D'accord, faut que je récupère les clés pour que les mecs puissent avancer. Merde alors attends. En tout cas, c'est bien d'avoir mis un tracé, le tracé par où on passe, comme ça, ça permet de se rappeler ce qui est bon et ce qui est pas bon, quoi. Après, j'espère qu'il y a un mode pour les daltoniens. Parce que je sais pas si la, pour les daltoniens, comment dire, le contraste est assez fort. Oh ta mère, pardon. Ah il m'a fait peur celui-là. Ah il m'a fait peur le bâtard. Ok, donc je ne peux pas vraiment que je le fasse. Five Nights at Atlas Saint Laser. Hop. Étant daltonien, ça le fait, mais il y a plusieurs types de daltonistes, d'accord. Tu les vois de quelle couleur, là, les... Ah, bien. Là, la grille, là, par exemple, tu la vois de quelle couleur, Baudruche? Est-ce que tu vois les meubles, par exemple? Est-ce que tu vois la traînée que ça laisse? Orange chelou. Ouais, c'est là pour l'instant c'est orange, ouais. Enfin, c'est jaune-orange. Est-ce que tu vois la traînée que laisse le personnage sur les cases? La traînée jaune, nickel, d'accord. Et les meubles, tu les vois? Daltonien, j'ai compris. Non, mais c'est pour... Parce que comme j'ai pas mal découvert un peu l'accessibilité au taf ces dernières années, du coup, moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Donc, les mobs sont fondus dans la grille, maybe. D'accord, ok. Mais
Et effectivement, donc pour toi, ça doit le faire, je pense. Mais effectivement, voilà, c'est. Du coup, j'ai un peu découvert qu'il y avait des outils pour tester le contraste, parce qu'il y a des gens qui le voient tout simplement pas, quoi. Ah putain. J'avais pas vu que le garde il allait jusque là. Et non, voilà, c'était pas pour t'emmerder que je faisais ça, c'était genre parce que j'étais vraiment curieux du truc, quoi. Alors, ouais, parce que voilà, tu m'envoies pas. Alors, attends, comment je passe là? Ah, ouf, j'ai bien fait de faire le. J'ai été plus embêté avec des jeux de plateau que des jeux vidéo, d'accord. J'ai bien fait. Alors attends. Ah! C'était en dessous. Ouais, en plus je suis con, il y avait les signes en dessous. Le piège. J'ai cru que c'était. Symétrique, mais faut se rappeler où sont les. En fait, une fois que t'as fait une moitié, c'est bon. Mais voilà. Donc là, il est pas symétrique. Pour le coup. Ah, j'en étais sûr. Il y a beaucoup de... Ouais, ça j'imagine. Il y a beaucoup de types de daltonisme. Mais du coup, j'étais quand même curieux voilà, par rapport à ce que toi, tu voyais, quoi. Alors, petite cinématique. En tout cas, j'aime bien les cinématiques parce que ça montre qu'avec une économie de moyens, tu peux vraiment montrer. Tu peux vraiment faire du motion design assez simple et ça me rassure un peu sur mes capacités à faire du motion design. Alors, en tout cas, que voilà, je suis pas. Parce que c'est très cool, hein, parce que je dis pas ça de façon négative, mais juste que. On peut faire du bon motion design avec une économie de moyens. Quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'apporte la pile? Ah oui, c'est les diamants, hein. Oui, c'est les diamants, d'accord. Ah merde! Ah oui, non, je suis con. Je suis débile. Ok, c'est trop tôt. J'en étais sûr. C'est chouette de découvrir ce jeu, je rejoins mon lit. Ça marche, Flyspeakle, merci à toi d'être passé, bonne nuit à toi. Repose-toi bien.
confiance à sa mémoire, c'est pas toujours simple. Surtout en ce qui me concerne. Tu projettes ton déplacement à un feeling visuel ou tu le penses verbalement? Je le pense verbalement. J'étais en train de réfléchir. Hein. Alors, du coup, j'ai pas regardé où étaient les lasers. Bon, alors là, ça va être pifomètre. Ah putain! J'ai cru qu'il avait voulu me piéger. Elle a voulu me piéger. Le bon dialogue GLO. Je pense que plus le niveau est long, plus il doit faire le faire. Ouais, bah oui. Ouais, non, moi j'ai clairement pas de feeling, quoi. C'est. Ah non! Ah, saloperie! Ah, ça c'est dégueulasse! Ah, ça c'est dégueulasse! Ah, ça je déteste! Ah, l'enfer! Ah non! Ah non, je déteste! Ah! Ah, le cauchemar! Je déteste les trucs qu'on me poursuit! Alors, attends. Ah, ta race! Voix de docteur d'enfer grâce à mon génial laser. Refous pas par contre le laser dans ce truc là. Hein. Je t'en étais sûr. J'adore le petit siffle au début. Putain, mais je suis bête! Ouais, assez vénère celui-là. Bah oui, bah j'ai pas bien regardé évidemment, parce que je suis un imbécile. Hein. Ouais, ça devrait être comme ça, j'imagine. Ah, des tapis roulants, parce que nous sommes dans Interville. Putain, je suis bête en plus, vraiment. Top à la machette. Imagine, on a une à un moment donné.
Ou genre le laser. Le laser à la con. Hein. Alors attends, putain, parce que... je fasse pas de bêtises. Ah merde, ah oui, attends, j'ai mal évalué mon chemin. Tapis roule. Ah. Ah bah oui, évidemment. L'équipe de Mont-de-Marsan avait les poches remplies de diamants avant le début du jeu. Oh putain, sale bâtard. Ah, mais tu... sympa, non? Ah ouais, il pourrait y avoir des speedruns sympas sur celui-là, j'avoue, j'avais pas pensé. Ça pourrait effectivement faire donner lieu à des petits speedruns sympas. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Olivier Chiabono qui trace sa trajectoire avec cette voix. Ah putain, j'ai loupé un bouton, je me disais, bah merde, ça marche pas. Ça marche pas ta merde. Re-Ev. Faudra qu'on s'organise un petit téléboomer de ces 4 Ev. Très envie d'en refaire un. Ça a coupé de... Ah, t'inquiète, ouais. De toute façon, t'es pas obligé de rester. Ah, t'es pas obligé de rester tout le temps. Tu fais bien ce que tu veux, ma chère. Évidemment, j'ai oublié où était le laser. Évidemment, je suis un imbécile. Mais attends. Ah, mais non, faut faire le tour. Ah. Avec plaisir, ça va dépendre du bobo. C'est peut-être une entorse. Ah, d'accord, ok. Non, mais pas tout de suite, hein, t'inquiète. Compoto, c'est F du Réveillon, oui, tout à fait. C'est F de Téléboomer que je reçois très régulièrement sur cette chaîne avec un grand plaisir. Rétrospective Guilux pour soi bien boomer. Alors putain, on m'a filé un truc récemment. C'est pas. C'est un truc des années 80, mais un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et il faudra qu'on se regarde parce que ça a l'air incroyable. Mais non, Eve, t'inquiète, hein, pas tout de suite, hein, enfin, vraiment, prends soin de toi d'abord. Ah putain, ouais, faudrait qu'on fasse ça. J'ai très envie de voir les Turbo Mommy parce qu'on a, ouais, on a jamais regardé. On en a beaucoup parlé, mais j'en ai jamais regardé. Ah, mince. Je suis du joueur français.
Moi je suis plus team télé des années 90, hein, on va pas se mentir. C'était très cool sur l'avion, faudrait que jette un œil à Télé Boomer dès que... Déjà le dimanche, je regarde souvent les Dokurama. Alors j'en ai pas laissé tant que ça des Télé Boomer parce que au départ je voulais me uploader sur YouTube. Et en fait bah, ça a sauté très rapidement. Et je pense jamais à les mettre en temps fort pour... Mais t'en as 2-3, j'en ai laissé 2-3. Ouais mais Code Lyoko c'est bien. Enfin, je veux dire, il y a... J'ai souvent des gens qui me parlent de ça en bien de Code Lyoko, donc... moi, je veux vraiment des trucs un peu pourrax, quoi. Enfin, pas pourrax, mais genre improbable. Genre, les turbomomies, moi, ça me flingue, tu vois. Vous avez déjà fait, n'oubliez pas, dans votre brosse à dents, Téléboomer, bien sûr, c'est même le premier qu'on ait fait. Et il se peut, peut-être, qu'on en fasse un deuxième. Qui sait ? C'était effectivement le premier épisode. Ah j'ai pas dit qu'il fallait que ce soit français hein. J'ai pas dit qu'il fallait forcément que ce soit français. Ah alors attends mince. Hop là. Ah, ta race. J'avais entendu turbo vomi, j'étais pas prêt. Il y avait les crados hein, quand j'étais petit, hein, donc pourquoi pas. Hein. Plantant ouvertement. J'ai vu des images du film live des crados Nightmare. Je trouve que c'est moins pire que les cartes crado. Hein. Moi, les cartes crado, j'en ai des souvenirs vraiment dégueulasses. Hein. Moi, j'ai été vraiment traumatisé par une des cartes où... C'était une petite fille ou un petit garçon qui avait des trucs, enfin genre des espèces de spaghettis qui sortaient par les narines, la bouche, les oreilles et moi ça m'avait vraiment profondément dégoûté quoi. Il me rappelle que Jacques Cousteau était contre les crados. Il y avait toute une période de dessins animés irregardables sur M6, d'adaptation de films séries Stargate Infinity. Il y avait un dessin animé Stargate ? Je me rappelle qu'il y avait les dessins animés The Mask et Ace Ventura. Il y avait la moitié qui avait les tripes à l'air, mais bon, décaté pour les crados. Ah ouais, il y avait des trucs gore dans les crados ? Moi, je me rappelle surtout de trucs vraiment dégueulasses, quoi. Genre, ah, mais suis un peu ton jeu, Guillaume. Suis ton jeu, Guillaume. J'ai essayé de faire aimer Jacquet, mais ça marche pas. Les crados dessinés par le temps de Moss, quelle horreur. Je vais pas y arriver à celui-là. Hein. C'est Rotten.com avant l'heure. Ah, mais merde! Donc c'est 4. Ok, c'est 4 à chaque fois. Sauf le virage. Oh, Guillaume! Les
dessin animé francophone, je crois, les showrunners de Stargate n'étaient pas prévenus. Ça se passe dans le futur, le générique est à écouter. Bah écoute, tu m'as... Faudra pas hésiter à me le rappeler, parce que t'as éveillé ma curiosité, ça. Mais j'avoue, je me remettrai bien, genre le... Enfin, je me remettrai, j'ai jamais maté, en fait. Mais genre le dessin animé The Mask et Ace Ventura, ça doit être bien cursed, ça. Ah voilà, j'arrête de parler en fait. Trois à chaque fois donc. Bon, trois en bas. Un pattern de trois cases. Et à partir du virage, c'est quatre. Let's go. Qu'est-ce que t'as cherché? Ah, je voyais souvent passer des rediffs de la série animée. Une série animée Highlander, mais j'ai raté tout ça, moi. Ah oui, c'est 4. J'écoute même pas ce que je dis. Ah, c'était 5. C'était 5, ok, j'ai... Ça fait décidément plus curse qu'Angela Anaconda. Mais alors, c'est moche, Angela Anaconda. Je trouve pas ça si cursed. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, un truc comme... ce qu'on m'a parlé de... Comment ça s'appelle le chien froussard. Courage, le chien froussard, c'est ça? Ça, c'est pareil, c'est pas trop de ma génération, donc je l'ai raté. Mais j'ai un peu vu des extraits, et pour moi, Courage, le chien froussard, c'est plus curse qu'Angela Anaconda, quoi. Angela Anaconda, c'est juste un choix esthétique. Je comprends pas. Je sais même pas si c'est Jim Carrey qui faisait les voix des dessins animés Mask et... Bah ouais, je sais pas. Bon, ça va pas l'air. Ah bah oui. C'est débile. Ah, mais Guillaume! Moi, dans un même genre, je sais pas qui se rappelle. Dans les gens de ma génération. Dans le genre de dessin animé un peu traumatisant avec un chien. Qui se rappelle de Family Dog? Ça déglingue, c'est une super introduction à l'horreur et c'est très profond comme dessin. Mais ouais, non, ah non, je dis pas, hein, je dis pas que c'est pas bien. Il y a des trucs hyper cursed en stock et je te montre avant la. Ah, merci Neufel. C'était hyper triste ça, Family Dog. Moi j'avais trop mal au cœur avec le pauvre chien à chaque fois. C'est. Ah non, mais Family Dog, c'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas pourquoi il passait ça dans une émission pour enfants, quoi. Et j'ai même pas retenu où était le laser. Bon. Ah, il y a que 6 épisodes, j'ai l'impression que ça a duré 1000 ans, quoi. Parce que ça a été rediffusé 1000 fois dans... Ça a été rediffusé 1000 fois dans Télévisateur 2. Un épisode où chien passe tout l'épisode. À... Mais oui, non, mais c'était... Faudrait vraiment que j'en retrouve, parce que ça, c'était vraiment affreux, quoi. Faudrait qu'on fasse une battle de dessin animé, Eve. Faudrait que j'essaie de retrouver, voir si je retrouve des trucs un peu cursed et tout. Faudrait bien sûr Téléchat, j'imagine. Même si c'est cool, Téléchat. Très très cool, Téléchat. Ah!
comme Animal ou Pole Position Multi-Diffusion. Intensive Inside Court. Ouais, mais j'ai... Il y avait que 6 épisodes. C'est marrant, ça. Mais je te prends. Et j'ai vraiment... c'est vraiment pas un jeu fait pour streamer, parce que je parle et je prête absolument pas attention. Honnêtement, j'en ai un, je peux gagner avec. Est-ce que c'est un truc dont tu m'as déjà parlé ou pas? Ok, bon, ça reste peu quand même. Mais ils ont dû, ouais, comme tu dis... Chao et Grodo. Je l'ai déjà évoqué, je pense, mais je garde la surprise. Ok, bah, me le dis pas, parce que je m'en rappelle plus. J'ai vraiment zéro mémoire. Voilà, faisons ça. Faisons comme ça. Ah non, j'essaie de retenir ma... J'essaie de retenir ma, la map quand même. Ah, mais attends. Attends, alors. Hop, je vais en bas. Je reviens au milieu, je fais le tour. Je vais tout en bas. Et je reviens par le milieu. Ok. Ça commence bien. C'est pas mon anime gagnant, mais de mon temps, il fut un excellent Power Rangers-like qui s'appelait Mega Robot. Ah oui, ça je me rappelle, tu m'en as parlé. Mega Robot Super Singe Hyper Force Go, rien que pour ça, c'est pépite. Chao et Grodo, un truc japonais avec des petits bipous qui survivent mal dans la street. Putain, jamais entendu parler. Est-ce que j'ai envie de le voir? Je ne sais pas. Il y a un jeu SNES Family Dog, putain. Non mais il y avait tout sur Super NES. Hein. Il y avait même un jeu Papa Bricole, c'est pour vous dire. Oh mais moi, elle regarde trop de trucs. Alors, je sais pas du tout combien il y a de... Je sais pas du tout combien il y a d'univers. J'en suis qu'au deuxième, en fait. Ouais, écoute. Putain, 13 essais à celui-là, ça fait mal. Hein. Ubisoft a un jeu Playboy's Mansion. Et le pire, c'est qu'il paraît que c'est juste un... Ah oui, bah... Ouais, ça, bah... Mais Ubisoft, t'avais pas sorti petit jeu coquin entre amis ou une connerie comme ça? Un jeu Papa Bricole, mais ils ont pris de la drogue. Non, mais je te dis, il y avait vraiment tout sur Super NES. Alors, attends. Ah non, salopard! Ah, évidemment. Ah, il y a le laser, j'avais pas vu. Le truc oui sexuel mais Peggy 12. Faut grail la Wiimote, comment ça? Un maxi émulateur en fait, tu vois un téton, un bout de fesse de temps en temps. Petit flirt entre amis, voilà, c'était ça le jeu. Qu'est-ce que t'as, mon chachon? Couche-toi. Attends, parce que là, j'arrive pas à me concentrer. Oh putain, je vais pas me
pas réussir à me rappeler tout ça, moi. Alors, hop, je passe en haut, un peu petit virage, je vais en bas pour récupérer la pile. Allez, Sexy Zap. Sexy Zap. On fait souvent référence à Sexy Zap dans ces streams. Je sais pas quelle image vous avez de moi. Allez, hop. On se lance. Allez, je suis bête en fait. Ah non, Il est vraiment clean. Tu sens en fait qu'il a... Encore une fois, je parle d'économie de moyens, mais c'est pas un... C'est pas un gros mot. C'est genre vraiment, tu sens qu'il a fait les bons choix... Les bons choix aux bons endroits pour que ça marche bien, quoi. Ah oui, putain, BMX triple X, ça c'était horrible, ça. Ça, c'était vraiment le pire des années, de la fin des années 90. Ah non, c'est bon. Ah non, putain, il y a deux lasers, salopard. Putain, j'avais pas vu. Alors attends, faut pas. Maman, je regarde pas du porn, c'est un jeu de vélo. Bon vélo. Ah bah, dites donc. C'est le mélange entre le corneau et le film porno de Bourville. Alors attends, que je fasse pas de conneries. Ah mais ah, il m'a obligé à prendre un super détour en plus. Salopard. Bougre de petit salopard. Ah. Non. Oh putain. L'époque où le fantasme ultime, c'était le code pour mettre Lara Croft à WLP. Non, ça, ça me manque pas, c'est assez clair. Surtout pour voir quoi en fait. Rayman 3 qui commence par Rayman qui perd ses bras, qui se réveille, son pote lui dit waouh, comment ça va la saucisse, tu sais que t'es bonne comme ça. Je me rappelle bien des faits. Il y a eu des choix, dans Rayman 3 il y a des choix de. Il y a des choix de dialogue assez assez étranges. On va pas se mentir. Ah oh, mais je suis bête, je fais la même erreur à chaque fois. Ah non, en plus je suis la même erreur. Ah là là. Voilà. Avec tes lasers. Tu pouvais pas t'appeler, ça s'appelait Larcin normal et pas Larcin laser. Bon, évidemment, faut que j'aille chercher la pile et j'imagine que ça va me ramener tout à gauche de l'écran. Bon, allez, on se lance à la grâce de Dieu. Plus je fais vraiment pas gaffe au. Pff, oh là là. Bol incroyable. Larcin raisonnable. Larcin gentil.
Ah putain, ça devient compliqué là. Alors attends. Hop. Non, je vais pas faire ça. Ça va piquer. Hop. Voilà, vous êtes sérieux, frère. Hop. On va voir si on a bien retenu. Bien sûr que non. Ah non, bon bah c'est mort. Allez hop, au revoir. Attends. Ça tienne bien. Ah mais faut que je trace ma race quoi. Ta mère, j'étais bien parti. Oh, je fais la même erreur. Je fais pas gaffe, je suis trop bête. Voilà, hop là. Hypnotique, vraiment hypnotique comme jeu. Voilà. Gentil, tu vas pas me couper les niveaux, quoi. Péché, quand même. Ça va, il a pas l'air excessivement compliqué. T'as du feedback, ça va. Ah ouais, non, c'est bien pensé. Hein. Débile. Ah, mais il a laissé un point d'interrogation de trop, ça me perturbe. Après, j'ai peut-être pas montré tout le jeu, parce que s'il est court, je voudrais pas non plus tout le spoiler. C'est pas cool, hein. Peut-être faire encore la dernière tour et puis après. Mais non, c'est parfois on pense pas à quel point les bons choix aux bons endroits, ça fait je vais pas dire ça fait un jeu parfait, mais ça fait un bon jeu quoi. Ouais, mais je pense que l'inspiration est réelle, comme disent les jeunes. Qu'est-ce que tu veux, mon chat, tu viens? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Bonjour. Bonjour. C'est bien, mon bébé. Tu vas aller sur les genoux? Qu'est-ce que tu veux? Non, tu... Pourquoi tu montes sur les genoux et tu descends comme ça?
Alors, nous disions. Ça pour faire une connerie. La suite, hein. Hey. Attends, est-ce qu'il y a... Ils disent pas combien... J'adore la transition d'animation du menu de... Ah, putain, je trouve plus mes mots. De menu de... paramètres, voilà, d'options. C'est vrai que ça a vachement affiné Aesthetic Game & Watch. Ouais, bah, en termes... Hop là, c'est parti. En termes d'inspiration, ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que... Ça va être quoi comme règle ? J'aime bien l'esthétique la quatrième dimension de celui-là. C'est vraiment très sympa. Vachement loin du mec qui voulait juste nourrir son chat quand même. Tu parles de quoi? Ça a fait un peu générique et habillage de jeu télé français sur la 1 quand même. Ouah, t'es dur là. Et je suis pas sûr qu'ils soient aussi soignés les génériques de jeu télé sur la 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du jeu de base, tu peux cambrioler une banque pour ouvrir ton chat. Ah, certes. Il a pris goût au larcin. Niquer larcin. Entre faire un jeu et voir comment il est perçu, des fois t'as un monde d'écart, super difficile de communiquer tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver. Oui, c'est sûr. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Ah, oui, alors. Du coup, ah non, ah oh, bâtard, le fait que tu aies du feedback sur tout ce qui se passe, tout réagit, se colore, bouge et fait du bruit, c'est un délire. Les fantômes. Ghostbusters. They're back in town. Oh putain, il me fait peur ça. Je l'ai trop vite en besogne.
Oh, oh, salopard. Salopard, il savait que j'allais faire ça. Sammy, un fond tout. Où Sammy? En plus, je vais sur la case sur laquelle je me suis planté tout à l'heure. Je suis vraiment teubé, quoi. Larsan la verve. Devant un Larsan snack. Non, ne refais pas la même erreur, Guillaume. Oh, j'en étais sûr, putain. Il y avait un fantôme qui arrivait. Et j'étais pas sûr de mon coup. Voilà. Attends, je suis où? Pour faire des... Zigzag. Bon, allez, go, on verra. Allez. Pas si évident, aussi évident que ça en a l'air, hein. Ah putain. Ah mais non, je suis con, je peux passer, j'avais pas de laser. Oh. Ah, je me suis planté. Ah. Débile. Au pif, vraiment. Bon, j'espère que vous appréciez... Oh putain, oh là là. J'espère que vous appréciez ce que vous voyez, en tout cas. Moi, je passe un bon moment. Ah, merde. Ah, putain, je crois que c'était tout droit. Après, j'imagine qu'il va mélanger les fantômes et tout. C'est vraiment un plaisir visuel de tous les Einstein. Vous savez que le Pac-Man original, les fantômes avaient des noms de sénateurs japonais morts l'année précédente parce que le chien de la... T'es con.
T'es comme... Ah putain, alors là, il y en a des milliers. J'exagère pas du tout, évidemment. J'attends Pac-Man, Oops, All Chinzo à Ibs sur Switch. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la règle ici? Yeah, oui. Pour tomber dans le void. Oh bâtard! Ah oui, non, d'accord, ok. Ah putain, je suis bête, il y a un objet en dessous en plus. C'est un bon sens, t'as connu la marionnette de Chinzo LB dans le bébé show. Bah là, y a quasiment des... Allez! J'ai 4 essais quand même. Ah, j'avais pas eu le fantôme, très bien. Que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? C'est pas l'heure d'aller se coucher déjà. Viens sur les genoux, viens dire bonjour aux gens. Attention, ah putain, j'ai pas mis de... Attends. Je vais mettre un petit truc pour pas que tu m'éteignes l'ordinateur pendant que je stream. Et moi j'aurai un nombre des 3 chiffres. C'est pas assez compliqué. Hein. Qu'est-ce que t'as, chachon? Non, tu laisses les fils. Tu laisses les fils, chaton. Ah putain! Le piège. Vite les automatismes assez rapidement, donc vraiment c'est pas si c'est pas tant la galère que ça. Ok, très bien.
Donc si vous nous rejoignez, on joue à Larcin Laser, un jeu vidéo indé français, mesdames, messieurs, qui est sorti aujourd'hui même, dont le créateur Doc Gero a eu bien l'aimabilité de me filer une clé. Et donc on découvre ça un peu aujourd'hui, histoire de vous donner envie. Donc comme vous voyez, c'est une espèce de jeu de puzzle un peu basé sur la mémoire. Essentiellement sur la mémoire, parce que voilà, faut se rappeler de où se situent les lasers, puisqu'ils disparaissent dès qu'on bouge. Et aussi un peu les réflexes, car vous voyez, des fois, de temps en temps, il y a des éléments perturbateurs qui font que on doit aller un peu vite. Larcin Laser au Québec. J'avoue, c'est très québécois comme titre. C'est Larcin Laser. Bon, j'imagine qu'il y a qu'à aller tout droit. Il y a qu'à aller l'eau, bien sûr. Ok, très bien. Oh, sale bâtard. Larcin, amplification de la lumière par émission simultanée de radiation. Ah, ça va, et avec les sgis, là. On va se calmer, là, un peu. Attends, comment je peux faire celui-là? Parce que si jamais je prends un chemin pour... ok. Oui, bien. Enfoiré de merde à la con. Ah, mais putain. Très malin, parce que vraiment t'essaies de te baser, en fait il sait que tu vas trop te baser sur les réflexes, et on va très vite oublier le côté un peu mémoire, et du coup tu fais pas gaffe où sont les lasers, et du coup c'est assez malin comme façon de faire. Attends, je suis bête ou quoi? Je sais pas si j'étais super clair dans ce que j'ai voulu expliquer. Très bien, c'était pas formidable, mon petit Antoine. Pas aussi vite, bien.
pas vraiment. Pif total. Merde, putain. Et évidemment, et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas regardé où était situé Zer sur l'autre truc. Et je vais me faire niquer. Voilà, qu'est-ce que je disais. Hop, on fait des zigzags comme ça. Là aussi, on fait des zigzags. On fait des zigzags partout, en fait. Salut, Denis. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, on joue à l'arsen laser. Je me fais avoir connement. Bonjour, Mao. Tu dis Mao? Mao? T'as pas assez de place, c'est ça que t'aimes pas. Allonge-toi aussi. Voilà mon bébé. C'est ouais c'est un puzzle game qui est basé sur essentiellement sur la mémoire. Voilà, sorti aujourd'hui, c'est fait par par le développeur de Buisson. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et donc oui, c'est tout à fait un puzzle game. Voilà, donc alors, infiltration-ish, mais c'est essentiellement voilà basé sur sur la mémoire, faut se rappeler, parce que quand tu bouges, les lasers que tu vois disparaissent. Et évidemment, t'as d'autres pièges, et il faut composer avec tout ça. Bon, bougeons, et on verra. You know what I mean. Et parfois, ça... Putain, mais je... Attends, ah oui, il faut faire juste un... Ça fait un U, quoi. Alors, globalement, c'était le même pattern. Merde, et j'ai évidemment pas regardé. Voilà, j'ai évidemment pas regardé la disposition des lasers à la droite. Parce que je suis un énorme débile. Ah putain, je suis bête. Je pouvais pas revenir en arrière. Allez. Voilà, je pense que t'as compris le... Je pense que vous avez compris le principe, hein. J'ai évidemment pas regardé la disposition des lasers, parce que je suis un énorme débile. Voilà. C'est un truc que j'ai énormément répété, ça, je suis en début. Oh, évidemment. Salopard. Hein.
Attends, je suis con. Ah ben non, c'était là. Et j'ai tellement une mauvaise mémoire que je me rappelle même pas des erreurs que je fais. Voilà. Et tellement douce. Évidemment, quand t'as des trucs à double sortie. Putain! Débile, putain. Je suis vraiment un immense débile. Et... j'ai aucune mémoire, c'est affolant. Évidemment, évidemment, évidemment. Et encore ça va, hein. J'ai vraiment fait des puzzle games qui étaient pires que ça. C'est, je trouve que c'est un bon, c'est vraiment très bien équilibré entre c'est accessible et il y a quand même des pièges retors, tu vois. Bonne nuit Eve, repose-toi bien. Je suis où? Attends, je suis où? Piège rotor, c'est quand on fait trop de fétons sur un hélico. Non, ça, un piège rotor, c'est la mort de Daniel Balavoine. Oh putain, débile. Ah! Ah! Ma piche! Je vais regarder après. Voilà. Alors, on finit déjà cette tour. Et on va voir si... On va commencer un peu le tour d'après. Et après, je pense qu'on arrêtera là pour histoire de pas trop en montrer. Je sais pas du tout à quel pourcentage de jeu je suis. Ah putain. Ah oui, d'accord. Ok. Pardon.
Ah putain, il y a un laser, sale bâtard. Bah oui, bah vas-y. Bon, la gueule en fait. Je pense que Balavoine est tombé dans un piège monté par Mitterrand. Ça, c'est ça notre théorie des complots à la française. Je savais même pas qu'il y avait. Est-ce qu'il y a vraiment une théorie du complot comme quoi il aurait été piégé par Mitterrand? Enfin, piégé. Genre éliminé par Mitterrand? Genre comme le Rainbow Warrior? Putain, Guillaume! Mais je refais la même chose. Ah ! Quel immense abruti. Pas simple celui-là, hein, parce que le laser il met une sacrée pression. Et je refais la même erreur. Oh putain, Guillaume, t'es bête. Amel Oliver Stone et ses plis. Ah putain, non, pas encore un laser, s'il vous plaît. J'ai pas le... J'ai pas l'écran, j'ai pas le cran. Évidemment qu'il y en a un. Ah non, j'ai oublié une clé. Ah putain, bah vas-y, ma gueule en fait. Et j'ai oublié la clé encore. Je viens de tomber sur un bouquin, Jean-Pierre Perrin. Jean Pernin, Daniel Balavoine, meurtre déguisé, où ils font appel à un médium pour aller au fond du complot. Ah, je connais quelqu'un à qui ça plairait ce genre de bouquin. Faudrait que je m'en rappelle, tiens. Est-ce que c'est un vrai bouquin ou est-ce que c'est genre un truc auto-édité, genre à la Zob Ok. Ta mère en fait. Ah, sale bâtard. Je vais refaire la même erreur à chaque fois en fait. Ah mais Guillaume, t'es bête. T'es bête à bouffer du foin, c'est ouf. Un petit éditeur, mais j'ai trouvé sur le site de la Fnac Suisse, d'accord. J'espère que Métion vous répond, c'est de la couille votre histoire. très bien. Qu'est-ce qu'on a là?
J'aime bien parce qu'il arrive à créer vraiment des nouveaux univers à chaque fois. Et c'est vraiment assez réussi, quoi. Allez, on s'en fait encore quelques petits. Et après... au dodo. Attends, c'est des pièges, ça, ou pas? Pour sa bol radioactive, je me précipite. J'ai pensé aussi. Mais c'est peut-être les secrets. Peut-être les secrets de la bombe atomique. On doit récupérer avant que les. Avant que les. Comment dire les. Cela ne tombe entre de mauvaises mains. De mauvaises mains à AK et à Russe, bien sûr. Je sais pas pourquoi je me précipite sachant que ce n'est pas chronométré. Salut Tips Frog. On arrive sur la fin, tranquille, on se fait encore quelques petits niveaux et... voilà, parce que je sais pas du tout combien... apparemment il y a encore des niveaux derrière. Je sais pas du tout combien de temps le jeu il dure, s'il est long ou s'il est pas long. Mais voilà, je voulais en faire un petit stream pour mettre un coup de projecteur parce que c'est vraiment un jeu que je suis depuis un petit moment. Qu'est-ce que quoi? Ah non, j'ai raté le lieu que le symbole. Ah non. De recommencer parce que j'oublie un symbole. Et non, je suis désolé, on y retourne. La musique de cet univers. Vraiment très très chouette. On va essayer de se faire cette tour là. Et après. Oula, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi mon chachon. Pardon. Ah oui d'accord, ok. Échapper aux mélodies pseudo-russes à la balaïka. Non, je pense que ça reste vraiment dans le délire espion. Ah mais d'accord, ah oui ça ils réapparaissent pas. Ok. Faut juste que je fasse gaffe. Oui c'est vrai qu'ils disparaissent. C'est bah merde, où est-ce qu'ils sont? Thank you.
aller trop vite en besogne et du coup... J'appuie trop tôt. Ah, le turbo débile là. Tu refais la même heure en plus. Vraiment. Voilà. Je sais pas combien de DC j'ai fait, mais... Beaucoup trop, je pense. Très très loin, ça fait penser à une vision like. Non, moi j'ai dit que ça faisait penser à Exit sur PSP. Ça y fait penser dans l'ambiance un peu espion et tout, mais. Mais sinon, moi je trouve pas que ça allait faire s'assembler tant que ça. Quand la caméra se rapproche, c'est à dire bah ça t'empêche de un peu de voir l'étendue de la map et donc d'essayer de te remémorer où sont les lasers en fait. Je me ferai le chemin global dans ta tête. Bah justement, là, c'est pour... C'est pour t'éviter de le faire, justement. Ah, putain de bâtard. T'es bête, Guillaume, en fait. Hein, dis-le. Dis-le que t'es bête. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ah. On va lui faire.
sale bâtard, putain. Ah non, ah, j'aurais dû, pas dû y aller maintenant. J'aurais pas dû. Comme vous pouvez le voir, notre personnage tape. Et la même erreur, et voilà. Ah quoi ? Non, ça c'est dégueulasse, ça par contre. Tap tap. On essaie. Bah vu mieux. Attendre que ce soit éteint là, je sais qu'il y en a un par là. Putain, j'ai eu du bol parce que j'avais oublié qu'il y avait un laser. Il y avait un laser à cet endroit là. C'est vrai que la musique qui monte, je m'attends à une voix off de pourquoi, pourquoi la voix off de Jean-Luc Reichmann. Ça te fait penser à quoi? Genre une musique de, une musique d'une émission de Nagui? Hop là. Ah ça va, on va arriver à la fin de cette tour, donc on l'a fini et après on va s'arrêter là. J'espère qu'il va me faire gagner une Renault Super 5. Ouais, il faut qu'il crame ta voiture avant. Salopard. Ah, faut pas que je parte trop vite.
N'oubliez pas votre rayon laser, laser. N'oubliez pas votre rayon laser. Laser. Oh putain. Absolument pas fait gaffe. Voilà, merci. D'accord. Voilà, trop d'éléments pour mon petit cerveau. Vraiment beau. Ah putain, il y en avait partout, d'accord. Et putain, Guillaume, t'es bête. Et je refais la même erreur. Je refonce dessus, bien sûr, parce que je... Voilà. Faut vraiment que j'arrête de me précipiter, c'est ça qui me cause ma perte, en fait. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Toujours me faire avoir par celui qui est en dessous du radar. Ah mais il est saoulant là, putain. C'est pas le jeu qui est saoulant, c'est juste moi qui suis saoulant parce que je me précipite et je fais n'importe quoi. Eh ben, 17 essais, c'est pas brillant. Allez, on fait les derniers niveaux bonus, et après, on arrête là. Parce que ça sera déjà pas mal pour... pour ce jeu. Parce que je veux pas non plus vous montrer si jamais des gens ont envie de l'acheter. C'est quand même un peu dommage.
Ah. Et puis bah voilà, ma foi. Ah bah c'est la dernière tour. Qu'est-ce qu'on fait ? Apparemment c'est la dernière tour parce que vous voyez, il y a pas de comment dire, il y a pas de il y a pas de flèche supplémentaire. Est-ce que vous voulez qu'on aille au bout ou est-ce que pardon mon chien. Est-ce que vous voulez voir le reste ou pas ? Genre avec une mémoire photographique qui se souviendrait de toutes les maps que t'as faites. Et je savais que j'aurais pas dû trop en montrer parce que là du coup j'en ai trop montré. Est-ce que vous voulez voir la suite ou pas ? Musique en attendant. Tu as les neurones assez ample. Ouais, franchement. Moi, je suis chaud, hein. Je veux dire, on est arrivé jusque-là. On n'est pas non plus. Voilà. Je veux dire, on est arrivé jusque-là quand même. Franchement, laisser le suspense, ça donne envie d'acheter le jeu pour voir la true ending. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de cet avis ? Ou est-ce que vous voulez qu'on arrête là ? Est-ce que vous voulez qu'on en laisse un peu pour les autres, pour les gens qui veulent l'acheter, tout simplement ? Bon, s'il n'y a pas de réponse supplémentaire, on va s'arrêter là. Et moi, je le finirai de mon côté. On fait comme ça. Allez, hop, on fait comme ça. Voilà. Et grand titre. Alors, par contre, pourquoi tu m'as... Non, pas plein écran. Voilà. Par contre, chose qui est un peu dommage. Alors, chose qui est un peu dommage, entre guillemets, parce que c'est rien de très grave, mais en fait, je trouve ça dommage d'avoir fait un dessin, comment dire, comme ça, sur l'écran titre, alors que tout le reste, même les cinématiques, sont dans un style, avec des ombres cubiques, etc. Et du coup... J'ai du mal un peu à m'identifier à ce personnage-là qu'on ne voit pas. Enfin, qu'on ne voit jamais. L'esthétique est complètement différente. Ouais, mais j'imagine après qu'il voulait avoir un... Je pense qu'il voulait un truc un peu vendeur, tu vois. Je comprends aussi que genre sur les vignettes... comment dire, les vignettes Steam, les vignettes Switch pour plus tard, j'imagine. Ça soit plus vendeur que des trucs que du graphisme en ombre, pas polygonal, mais assez carré. Voilà, je pense que ça attire plus l'œil de la plupart des gens que les graphismes, enfin que les graphismes des cutscenes qui sont aussi très bien. C'est juste que c'est pas le même truc. Mais je pense que c'est pour ça. Voilà, j'ai musique pour tête pour trois genres, donc ça m'est égal. D'accord, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va passer à la fin. Voilà, on va quitter le jeu. Merci. Et on va passer, bien sûr, à la fin, si je retrouve mon bon bouton. Voici. C'est le perso... Sur les figurines et les agendas, le marketing l'a déjà bouclé. Ouais, voilà, maintenant j'ai cherché un peu, toujours voulu que ce dernier écran soit un peu plus chill, un peu plus mystérieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a moins de lumière, c'est parce que j'ai coupé la lumière de ma ring light. Donc voilà, désormais ce sera comme ça. Faudra que j'essaie de voir si je suis assez rapide pour changer la couleur de voilà, regardez, hop. Voilà, comme ça, on est dans une ambiance parfaitement mystérieuse. La conclusion feutrée, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très cool, vraiment. Je vais filer
le lien du commandeur du stream à Doc Gero et non Doc Geronto. Je suis vraiment désolé pour ce. C'est, en fait, ça me fait. C'est comment dire. C'est si vous connaissez Débat Gérard, c'est le nom d'un auditeur dans un épisode, je sais plus quel. Et je sais pas. Et ça m'a. Les deux sont rapprochés. Et voilà, ça c'est entré en collision. C'est complètement entré en collision. Faut allumer des bougies pendant le générique pour l'ambiance. Tu crois pas si bien dire parce que j'ai le. Tu sais, j'avais le comment dire le l'intégrale de Monkey Island et dedans il y a un bougeoir en forme de crâne. Et j'ai acheté des bougies, donc peut-être pour quand on jouera à des jeux d'horreur, j'en mettrai un derrière, et comme ça, faudrait que je pense à baisser mon néon aussi, parce que ça fait un peu ballot quand même de pas voir en entier. Faudra que je demande à ma constructrice en chef de m'aider. Donc du coup, est-ce que vous avez bien aimé le jeu? Est-ce que vous avez bien aimé ce qu'on a vu? Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très simple. C'est très facile à prendre en main, c'est très facile d'accès, c'est super bien réalisé. Vraiment, comme je disais, l'économie de moyens est très bien exploitée. Ça permet vraiment de comment dire, de que tout fonctionne bien et que ça donne pas l'impression que quoi qu'il y ait des manques, que ce soit cheap, etc. Donc vraiment, ça a été très malin là-dessus et vraiment, je félicite. J'ai entendu Monkey Island au lieu de Monkey Island, je suis cramé. Salut Froid, bah ouais, t'arrives à la fin là. Je suis désolé, tu verras, de toute façon, c'est un stream assez court cette fois, c'est qui fait moins de 3 heures. Donc voilà, c'était surprenant à quel point c'était sympa en stream. Ouais, je suis assez étonné aussi, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de ça, j'avais un peu peur que ce soit un peu répétitif, que ça accroche pas les gens, mais au final, moi, je trouve qu'on s'est bien marré. C'était bien cool. En tout cas, voilà, on fera pas d'autres streams là-dessus, vous avez pu le découvrir, peut-être un peu trop, je suis désolé, Doc Gero, si j'ai trop montré du jeu. Mais voilà, en tout cas, le jeu est sorti aujourd'hui, ça coûte 10€. Attendez, je vais revérifier. Page du magasin. Ça coûte 8,80€. Alors, ça coûte 10€ effectivement. Et en ce moment, en fait, il y a 1€ de réduction. Donc, il est à 8,99€ si jamais ça vous tente. Si jamais vous voulez mettre vos neurones à rude épreuve. Voilà. C'était plutôt cool. C'était plutôt chouette. Prochain stream, je ne sais pas quand. Peut-être samedi. Peut-être samedi si j'ai pas la flemme. Peut-être si j'ai rien à faire. Comme prévu, donc les prochains streams, on commencera The Talos Principle. Alors, est-ce qu'on fera d'autres jeux en même temps sur d'autres streams? Je sais pas encore. On verra parce que c'est peut-être pas non plus. En fait, j'hésite à faire plusieurs jeux en même temps sur plusieurs streams. Mais en même temps, parce que j'ai peur que si je fais qu'un jeu, ça dure trop longtemps et que ça perde un peu les gens. Et si je fais plusieurs jeux en même temps, genre deux, admettons, même minimum, j'ai peur que. J'abandonne l'un au profit de l'autre. Donc voilà, je pense qu'on verra, je réfléchis. 0% de réduction avec le code créateur. Assez potentiel samedi. Ouais, potentiel, hein, parce que je stream de temps en temps le samedi. Et pourquoi pas. Et ouais, alors en parlant de code créateur, par contre, voilà. Donc ce n'est pas une écharpe de bar mitzvah, n'est-ce pas, que je portais pendant tout le temps du stream, mais une écharpe achetée chez Internet Pin Company. Voilà, chez qui vous avez actuellement 10% de réduction. 10% de réduction, voilà, c'est l'une des premières OP promo que je fais, voilà, 10% de réduction avec le code QueenPoly10 jusqu'à mardi, puisque mardi c'est fin janvier, et après ce sera terminé, et c'est valable sur tout le shop, et une seule fois je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, Internet Pin Company, c'est facilement trouvable, vous tapez ça, de toute façon j'ai laissé plein de liens, et vous pouvez regarder le tweet épinglé, il parle de ça. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous raide chez personne, hein, parce que je suis un connard. Non, c'est parce que j'ai un peu la flemme, je vous cache pas, et surtout, je vais vous laisser aller dormir. Merci d'avoir été là, merci pour ce petit stream, mais néanmoins sympathique, et je suis ravi que ça vous ait plu. J'espère, je vais filer le lien à Doc Gero pour qu'il voit le stream, j'espère que ça lui plaira aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci encore d'avoir été là, merci de votre soutien. C'est toujours vraiment un super moment de streamer. Je devrais faire ça plus souvent, plutôt que de me dire que j'ai la flemme. Parce que vraiment, on se marre bien, je sais pas vous, mais en tout cas, moi je me marre bien. Je fais toujours trop long, on arrête là, bonne nuit à tous. Et à bientôt, ciao.